folie. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire si rien le mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Mais pas bien, tu dis avoir créé la marque de vêtements. Mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Insulter les gens pour exister, je sais que c'est tentant. Mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir 30 ans. Ça y est, ça me revient, ta tête d'obèse moqueur. On était ensemble au CP, mais t'étais déjà majeur. Quand on recherche ton blaze, donc Google l'image. On apprend tout sur toi, rien que sur la première page. Tu es rappeur, mais ta carrière décolle pas d'un pouce. La seule scène que tu montes, c'est sur un bateau mouche. Retourne à l'école, tes vidéos en s'en tape. T'écris pas une ligne sans faire une faute. Tu veux absolument me rencontrer. Tu m'as donné rendez-vous sur les Champs-Élysées. Mais y'a que des touristes et des pickpockets. Tu fais partie desquels j'ai ma petite idée en tête. Retourne à télé, dessin animé, Cortez des Caminus. Si ta vie est une ligne de bus, pour toi c'est le terminus. Pas la peine de me répondre tellement ton niveau est minable. Va clasher ma grand-mère pour un niveau équitable. T'as aucun talent et tu parles fort, tu veux te faire remarquer. Bref, tu sais que t'es officiellement le Magloire du rap français. Sébastien, désolé, je voulais pas te clasher. Ma mère m'a toujours interdit de taper sur les handicapés.